Une balade en pirogue sur les marais de Kou. Un rendez-vous incontournable pour de nombreux Guyanais, surtout le week-end. Et à l'occasion de la fête de la Toussaint, certains habitants du bourg sont revenus au pays. Ils s'apprêtent surtout à fêter en famille cette fête religieuse. Une fête diversement célébrée par le passé dans le village. Gilbert Aoussa est l'une des doyennes de la commune. Avant, là, j'étais dit la Toussaint était pour tous les saints. La Toussaint qui est fête des morts a des bêtes différentes. Parce que tous les saints, nous avons chanté contre, nous avons veillé contre la soupe, tout qui a été bagaille, nous avons passé village en village. Mais nous pas te connaître, aller à cimetière. Il est vrai que le cimetière de Caux se situait à l'origine dans la zone des sables, du côté du village. Il a été déplacé il y a une soixantaine d'années de cela, en raison de nombreuses inondations. Je ne m'entendais pas lui dire ça, mais moi-même pas ouais. Mm-hmm. Moi, j'en sais qui ouais, mais moi-même pas ouais. Et ça y est raconté. Peut-être que j'étais tout petit. Et ça y est raconté. Moi, pas besoin, je ça y est raconté. Moi, ça avait été offensable parce que côté nous avons chimé en bois là, et puis il y a les mettre le bois là, mais moi, je n'ai pas que ça connaissance. Et le cimetière en question, le voilà, sur la route nationale numéro 6, à l'entrée de ce dégrat, à plus de 10 minutes en canot du bourg. Ancré en flanc de montagne, il abrite une trentaine de tombes plus ou moins entretenues par les familles des défunts, pour la plupart originaires de Caux. Il faut aller nettoyer ces tombes pour préparer pour le jour des morts. Tout le monde qui a allumé bougie, tout le monde qui a la cimetière, pleuré cimetière, tout le monde. Depuis après nettoyer jamais, tout le monde qui a pleuré cimetière. Pas de gens qui fait tomber, aller veiller te lever la terre pour faire tomber. Une seule tombe était gâtée juste pas derrière montagne, mon père qui était mort et puis était fait sous tombe. Et Gilbert Aoussa n'a désormais qu'un souhait, être enterré sur sa terre de Caux, en son côté. Ben si moi à Caux, enterrer moi à Caux, soit mon cayenne et puis me rattraper possibilité. Vous menez moi ici, ça te fait un grand choix, un grand plaisir pour moi, parce qu'ici, mon fête, ici, moi, te fais les mots l'ombre planté aussi. Et ici, moi, te fais les mots qu'on planté aussi. Avec ces tombes, pour certaines très anciennes, le cimetière de Caux résiste à l'érosion du temps et à la détermination de certains habitants du village.